Je vais me, comment ça s'appelle? Me reconvertir en tant que chauffeur de salle. Qu'est-ce que je dis? Mais je dis que c'est l'heure de commencer. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Comme je l'ai découvert, eh bien, il y a à peu près une heure, la démo de Taiko no Tatsujin Switch vient de sortir. J'ai donc détaché mes Joy-Con. Et eh bien, on va s'essayer à ça. Alors, Taiko no Tatsujin, donc la démo est disponible uniquement sur le Nintendo Store, Nintendo eShop japonais. Mais c'est assez simple de se faire une petite, un petit compte japonais, à condition de truander sur votre adresse. Hop, oh là, comment faut tenir son truc? Faut tenir cette Joy-Con comme ça? J'ai pas les dragons. Oups. D'accord. Oula. Ah oui, d'accord, et on donne des coups comme ça pour. D'accord. Alors, je vais faire un truc. Ok, j'ai un petit peu baissé le son du jeu. J'ai enfin le son du jeu que vous n'avez pas. Voyez-vous, j'espère que ça va. Je vais chercher la rigole, mais je reviens tout de suite. Car oui, sécurité avant tout. Il faut mettre le Joy-Con Dragon pour éviter que un Joy-Con puisse dans la télé. Alors je suis actuellement à 1 mètre 10 de ma télé. Autant dire que j'ai des yeux explosés. Mais bon, tout va bien. Checker le son un petit peu, c'est toujours le problème du son. Un petit peu de cette histoire. On baisse le son du jeu, tout se passe tout, on dit que c'est bien. Et on va tout de lancer la partie avec lui, avec ADR. J'ai pas compris. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ça, c'est oui. Tout à fait. Oui, j'ai tout compris. Alors, Taiko no Tatsujin, si vous ne connaissez pas la série, la saga, c'est un jeu de rythme. Et Dieu sait que j'aime les jeux de rythme. Dans lequel on joue du tambour. Donc j'ai pas mal joué à mon. Bon, j'ai pas mal joué à la meilleure version du monde, mais j'ai pas mal joué aux versions sur DS, qui étaient pas mal. Et donc, note rouge, il faut taper au centre du tambour. Note bleu, il faut taper sur les bords du tambour. Et je pense que je mettrai un coup de Joy-Con à ce tambour, à ce micro, avant 5 minutes. Mais bon, surtout, enfin, je vais chercher les dragons, mais je les pas. C'est pas très utile. Tac, on est bon. Akai onpu wa koyatte furo. Aoi onpu wa okina onpu wa subayaku te o ugokasu ka. Kiroi onpu wa hitasura kutte fusen onpu to kozuchi onpu mo tonikaku furi makuro. Taimingu yoku furu to tamashi geiji ga umaku futte. Super, il faut la remplir au maximum. Je suis un peu loin du micro. Tac, est-ce qu'il est en vrai? Ouais. Hop, hop, comme ça on peut voir la magnifique étagère. Un petit peu de baisser le son encore du jeu. Parce que si je regarde les réglages là, ils ont.
On m'entend plus. Ah bah oui. C'était... Attends, c'était il y a combien de temps? Mais si, là, on m'entend, normalement. Faut que je vois, oui, tout à fait. Tout à fait, j'ai tout compris. Hajime Machete. Ah, c'est du lag, c'est la photo au boîtier d'acquisition. J'annonce. Oh bah voilà, c'est simple. Oh bah oui, tout à fait. Très concentré. Bah oui, mais ça me trompe, ça me perturbe. C'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Oui, bon bah on va faire tous les tutoriels, hein, tant qu'on y est. Ah oui, tout à fait, d'accord. Ça c'est si on a le tambour. Merde, c'était quoi qui par défaut? C'était ça. Furi furi enso na asobi kata o nagarete akai ao kiru aru. Mais non, mais ça j'ai déjà fait. Oui, voilà, hop, moi je veux jouer. Je veux jouer, sachant qu'il y a deux chansons. C'est pas foufou. On peut jouer à deux. Ça, ça doit être le mode histoire. À chaque fois, il y a un mode histoire. Sur PS, il y en avait un super qui était genre de RPG de l'angoisse. Il fallait se promener et affronter des gars au pif. Bon, on va voir les options parce que de toute façon, je ne parle pas japonais. Donc, où est-ce qu'on est? J'ai mes petits tam-tam là, tac. Il fallait un... Ah. Je suis pas du tout maladroit. Oh, on peut choisir son avatar. C'est trop bien. Je serai le tambour jaune. Je sais pas du tout ce que ça change, mais... Mais ça marche. Oh putain. D'accord, les deux chansons. French Cancan, hein, trop bien. Le champion du monde. Mettez ça. Et à côté, on a. C'est l'opening de quoi ça? Aucune idée. Attendez. J'ai triché, ils ne le disent pas sur internet. Ah si, ça s'appelle Fouli Fouli Noli Noli. D'accord. Ouais, et ça, non. Et bah aucune idée de ce que ça. Allez, on va commencer par le dire. En quoi on va se mettre? Ouais, on va se mettre en normal. Quand même. Sinon on peut jouer avec les touches, en fait on dit normalement c'est les touches du bas ça sert à faire les rouges. Et les touches du haut ça sert à faire les bleus. Oh là. Putain mais c'est... Ça vibre beaucoup trop. C'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. Oh mon dieu. Le petit coup de poignet pour mettre sur le côté, c'est...
peut l'avoir. Ils sont réglés comment les Joy-Con là? Là c'est rouge. Il fait n'importe quoi. Alors, je vais comme ça. On est bon. Je vais taper comme un gros bourrin. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. C'est plus facile sur DS. Je comprends pas. C'est la faute des manettes. Pourquoi ça marche pas? Il faut que je regarde. Ça sert à rien. Je sais pas. Dans les options, qu'est-ce qu'ils disent? Non, parce que c'est. Enfin. Alors, soit c'est qu'il faut taper très très fort. Auquel cas. T'es très fatigué très vite. D'accord. En plus il y a les vibrations, alors c'est un peu horrible. Oui, tout à fait. Oui, mais ça je suis d'accord. Ah, on peut régler la latence. On va mettre ça, à peu près. Ah mais ça, pourquoi il y en a deux et pourquoi il y en a... Tout à fait. L, c'est quoi L? Ba ba ba. Ça vibrait dans ma manette. Pourquoi c'est passé à moins 11? Alors tenez votre Joy-Con comme ça. Mettez le son. Je passe quoi? Non, il n'y a pas besoin de taper. Ah, je suis un abruti. C'est bon, je viens de comprendre. En fait, c'est pour savoir si le son est synchronisé avec la vibration. Et ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a deux réglages. Ça, c'est pour le son. C'est pour le Joy-Con. Ah, je veux bien, oui, afficher le tambour. Ça va, je tape. Bon, allez, on va essayer en plus facile. On y croit. Nous, il faut tenir ces trucs comme ça. Genre, pareil. Ah, pour les bâtons. Je suis sûr que c'était ça qui m'avait fait perdre. Mauvais personnage.
déjà celle-là. Je me démêle. Je me le coiffe. Mais c'est le casque, ça. Ça décoiffe. Ok. J'acquise la machine. Quand y a pas de jeu bleu, ça va un peu mieux. De réglage du calage. Oh. Ah, ça va mieux. On a presque réussi. On a presque réussi. On va bien se mettre. Hop, hop, hop. Tac, tac. Ah, ça me turlupine. Voyons voir ça. Alors ça, ouais non, ça c'est pour... Ça c'est pour... C'était pour les réglages. Là il y a écrit TV. Alors c'est exactement la même chose, non c'est quasiment la même chose qu'il y a écrit chez côté. C'est un peu idiot en fait. Donc je sais pas, ça... Ah mais il y avait une application de traduction là sur internet Ouais bon de la merde, hein, on improvise. Voilà. Je sais pas ce que ça donnera, j'ai mis 5 partout. Puis pire. Voilà. Je suis nul. Ces petits feux d'artifice, c'est beau. Là je l'ai. On peut vous en rendre compte. D'ailleurs. À un moment je suis passé. J'ai passé le stream en 900p. C'est quoi cette résolution de batte? 164p. Plutôt d'accord. Oh c'est beau. Ouais, c'est de la Switch. Il y a juste ma webcam qui est floue. Ah bon, on va tenter ça. Au moins le finir, quand même. Oui, on va jouer comme ça.
Et quand j'en aurai vraiment marre de perdre. Ah, il faut tenir les J10 comme ça. J'ai essayé. Ah, ça marche mieux. J'ai dû trouver le... J'ai dû trouver... Je vais finir ma phrase. Attention. J'ai dû trouver le décalage. Par contre, j'arrive pas. J'arrive pas à faire des... Ah non, j'ai tout raté. J'ai tapé mon... La cacophonie. Ouais, c'est... J'ai un peu mieux, j'ai pas réussi, hein. J'ai toujours pas réussi. Et en fait, ça devient compliqué. Ok, câble de micro, donc là normalement, on devrait plus rien. Il faut vraiment. Faut taper fort. Ah bah, il se marre l'autre. Le micro là. J'ai fait 48% de notes touchées. Ce qui est pas mal. Je sais pas du tout ce que ça veut dire le trident tout au bout. Ah bah oui, pourquoi pas, mon micro se baisse tout seul. C'est un peu plus difficile, ça sert à quoi ça? Je vais voir ce que c'est. On regarde le menu d'avant. J'ai remarqué. Yes, yes, yes. C'est les allergies. Je sais pas, c'était quoi les réglages quand on jouait comme ça? C'est pas un truc. Non, on va continuer, on va y croire. Tac, tac, tac. Mais il faut donner un petit coup parce que parfois tu donnes le coup et tu remontes la main et en remontant la main ça fait un petit coup, ça donne un coup, ouais, c'est ça. もっともっともっと。
sort pas trop mal. Non. On a note pendant que je parlais. Quelle abruti. Ah bah oui, Kuria. Kuria combo. On va essayer les modes de difficulté plus dur quand même. Ah, c'est, ça a l'air vraiment dur. Je vais essayer. J'essaye, mais là, je suis avec les touches. Ça va me tricher un petit peu. J'ai oublié quelle touche faisait quoi. C'est pas grave. D'accord. Ah mais ça m'en met au menu principal. Et l'autre en difficile ça donne quoi? Non. Oh là là. Pourquoi je me suis trompé de touche? Ah. Ouais, c'est pas une réussite hein. C'est pas une réussite, c'est Lumines. Voilà, je viens de capter. Je me rappelle. Enfin, je me rappelle. Je vous ai pas dit ce que je disais dans ma tête. Je savais pas de faire ça. Mais c'était sur Twitter, il y avait Daniel Andriev, Camus Robotics. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis encore trompé de touche. Bref, qui parlait et qui disait qu'il y avait un jeu de rythme super bien sur Switch. Notamment parce que les vibrations HD des contrôleurs étaient bien utilisées. Et c'était. Et que. Et du coup, bah, il faut peut-être que j'essaye, c'était bien. On n'y arrive pas du tout, on n'y arrive pas du tout. On va arrêter ce massacre. Donc c'était la démo de Taiko no Tatsujin sur Switch. Pas sûr qu'il soit prévu en France. Mais bien vous savez quoi, on va regarder. Ça serait bien qu'il le soit. Parce que c'est vraiment une licence que j'aime bien. Mais à condition de pouvoir se choper les... Enfin l'inverse, à condition, bah pff, oh là là, pff, oh là là, c'est dur. À condition qu'ils sortent, mais avec le tambour. Parce que normalement ça se joue bah, avec un petit tambour en plastique. Ah d'accord, c'est qu'il sort au Japon. D'accord, donc il est sorti. En fait il est sorti au Japon.
Ah, il y a une version en anglais qui est prévue. Donc peut-être. Donc ça sort le 19 juillet, c'est sorti. Je regarde, hein. Je me promène sur internet. À noter, blabla. Les deux Taiko pourront être connectés en même temps. Il y a une seule et unique Switch. Wouah, c'est 50€ le tambour. Bref. J'espère que ça sortira. Ça peut être bien. J'adore tous ces jeux là avec des petits gadgets un peu nuls. Tiens, ballon joueur Lumines dont je vous parlais, c'est sur le store japonais. Non, français. Et ouais, la Switch. Super console. Et donc Lumines, il est sorti quand? Il doit pas être très très vieux. Putain, ça rame. Oh là là, mais c'est quoi ces trucs sur Switch là? Non mais c'est quoi ça? Non mais c'est quoi ce truc là? Non mais... Putain, ça fait un moment que j'y suis pas allé, je reviens, c'est n'importe quoi. Un jeu de causerie simulé par l'amour, Electric Love, qui est un sujet dans le smartphone. Google Trad sur 20. Tout affiché, ah je veux tout afficher. Hein. Un peu embarrassant, dans une conversation qui martèle... L'habilité de Romance Up. Eric Itami a commencé les activités de modélisation dès l'âge de 16 ans. Maintenant, à travailler chez Pixar. Connu sous le nom d'Eri. Année de cosplay fétiche 2012. 2012, c'était l'attaque des titans, il y avait des trucs sympas. Et c'était Kill la Kill, donc des gens tout nus. Modèle gratuit, anniversaire 26 novembre, type O. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que vrai amour électrique? Réponse aux vraies questions d'elle. Bah oui, pardi. S'il vous plaît, parfois un peu ennuyeux. Kakeike est important par l'amour. Ouh, oh là là, et bah putain, pour 4€, vous me donnez 4€ et j'y joue. Hein. Mais mon dieu, qu'est-ce que c'est cette chose? Oh là là, il y a de ces trucs qui sortent. Donc on avait dit quoi? On avait dit Lumines, Philippic. Oh là là, mais... Beaucoup de jeux indé qui sortent sur Switch. Mais ah oui d'accord c'est Picross. Ouais non mais là ce jeu putain ce jeu de drague complètement chaud. En plus il y en a 3 volumes quoi. Elle c'est quoi? Pure électrique. Ah c'est la même description. 3 tailles, B88, L57, H86. Non mais. D'accord, on a les mensurations de la fille. Il y a des scénarios supplémentaires, mais c'est trop bien. Et ça ne pèse que 104 MO. Eh, efficace. Langue japonais. Ah oui, si le jeu est entièrement japonais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais on peut y jouer avec une manette pro. Et ça c'est bien. Red Hot Ricochet. Shining, ouais, putain, les Shining Force là. La tête qu'il a. Ah, il est sorti Pocket Rumble. Ah, c'est cool. Jeu de baston en pixel art là. Dans le style de la Neo Geo. Pocket. Ouais, bref. Super stream. Hein. Parcourir le store. Ça ressemble à quoi cette chose? Assault Gunner HD. Oh, des gros robots. Oh, mais attends, mais ça a l'air trop bien. Oh là là, mais je vais de ce pas aller regarder les critiques. Parce que quand même, hein, 10€. All green, sento kaishi shimasu. Allez. Oh là 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 là, petite techno. Oh, ça bouge vite. Je pense que c'est un jeu téléphone, ça devrait. Putain. C'est ça que t'as. On peut,
on peut changer les morts sur ce roman. Mais j'ai toujours rêvé de ce jeu. Mais ça a l'air trop bien. Marvelous, bah oui, Marvelous. Extra pack HD édition complète 7 pour 11€. Attends, soit ils sont très mauvais en mathématiques, soit c'est le meilleur. Soit c'est la meilleure offre du monde. 11€, il y a quoi dedans? Parce que s'il y a le jeu plus le DLC à 5€. Ah bah oui, c'est ça. Honnête. Honnête, au lieu de 15€, tu payes 12€. 3€ de gagné. 3€ de gagné, c'est le prix de. C'est l'occasion de s'acheter Electric Love et sa traduction Google Trad. Et parce qu'il est où? Mais pourquoi je trouve pas Lumines? Il est si vieux que ça? Tac, tac, tac. Hôtel Transylvanie. Oh là là! Mais ça ressemble à quoi ça? Ah, c'est pas trop moche. Mais qu'est-ce que tu fais? Au vu des deux screenshots, je dirais que ça ressemble un peu à un Pokémon. Dans lequel tu captures des monstres et tu les fais attaquer. Pokémon, hein, somme toute. You Lumines. Rumbo, c'est vrai qu'il y a Wolfenstein qui est sorti. Je sais pas à quoi il ressemble. Est-ce qu'il lag ou pas? Normalement non. il est. Ah c'est vrai qu'il y a BlazBlue. Ah bah il est là. J'allais passer dessus. Ah il est 15€. Moi ce que je veux savoir c'est est-ce qu'il y a les musiques d'origine? Parce que normalement les musiques d'origine c'est les Black Eyed Peas et Gwen Stefani. Hein. Mais est-ce qu'ils ont encore les droits ou est-ce qu'ils ont développé un truc? Enfin, ils ont. Ça a pas l'air d'être une chanson d'origine. C'est. Le concept est quand même. La preuve en est, je l'ai flashé. Bref. On peut y jouer partout, même aux toilettes. C'est donc sur ces bons mots et cette réflexion de qualité que je vais couper ce stream qui a que trop duré. Et je me rattraperai une prochaine fois pour montrer mes talents de joueur de jeu de rythme sur un autre jeu. C'est vrai que ça m'a donné envie là, il faudrait que je ressorte Pop'n Music et Project Diva. Ça c'était cool. Enfin bref. C'est tout pour aujourd'hui. Je regarderai cette résolution chelou qui est en 864p là. Et c'est tout. Au revoir.